Donc on va commencer par l'échauffement. Je pense qu'il y a 15 minutes d'échauffement. Ensuite, on va faire aujourd'hui axer la séance sur tout ce qui est la mobilité, la mobilité sur les Wasa. Donc vraiment se retrouver, jamais se retrouver avant l'adversaire dans le dos. C'est-à-dire jamais vraiment être capable d'avoir cet adversaire dans le dos parce que c'est un petit peu lui donner toutes les possibilités d'attaque. On va travailler justement, c'est à chaque fois qu'on est sur 4 passes, à se mettre nous-mêmes sur le dos pour pouvoir avoir, être dans la situation où le pied est face à nous, ou entre les jambes. Ensuite, on va travailler également la mobilité en petit Wasa, donc le bout. C'est tout ce qui est la préparation de son attaque. Donc c'est prise de garde, travailler avec Mikata et déplacement. Et je fais également ensuite, je terminerai sur une intervention sur les nouvelles règles de judo. Et on terminera sur des randonnées. Oui, on parlait aussi. Thank you.
On n'est jamais en position d'attaque, ce qui n'est pas bon. Donc le but ici, c'est avant tout, dès qu'on est en bloc, de prendre le réflexe de se retourner et de se mettre face à son adversaire. Le but du jeu, c'est se retrouver au final, par contre, face à Ouké, face à lui. C'est-à-dire que l'arbre peut défendre, mais aussi on peut également attaquer, ce genre de choses. Donc à chaque fois, on va commencer tout de suite direct dans le dos, et dès qu'on sort son adversaire, on bouge. Donc on essaie à chaque fois de bouger pour aller. Donc quand on sent Ouké derrière, le but du jeu, donc la première chose, donc là c'est fini. Mais dès qu'on sent qu'il arrive, il faut qu'on fasse, qu'on aille vers l'avant, qu'on se retourne. D'accord ? Faut aller. Donc on va juste commencer d'abord par ça. C'est-à-dire que quand chacun, donc Tori qui fait la technique qui a 4 pattes, Ouké qui arrive, le but du jeu c'est d'aller comme ça. Et voilà, d'accord ? On se retrouve comme ça. On doit se retrouver avec son adversaire entre les jambes ou au moins à distance et en plus le contrôler. D'accord ? On commence. Là j'arrive, voilà. Et je sais pas si vous voyez d'un seul coup, moi j'ai plus de contrôle. J'essaie de suivre, mais je contrôle rien. Donc l'exercice c'est quand il est là, derrière, on va vers l'avant et on se tourne en même temps. D'accord ? Pour pas rester, si on reste en bloc, vas-y, on peut juste tourner comme ça, là c'est fini. C'est-à-dire que je me retrouve après pris en osagami. Donc c'est pas bon. Donc c'est vraiment tout en mouvement. Il vient sur moi, et en même temps qu'il vient sur moi, je me décale vers l'avant et j'aspire. D'accord ? C'est pas position de combat, c'est vraiment technique. Donc Ouké qui est derrière vient vraiment sur le. C'est juste Ouké qui a quelque part doit sentir le pied là. Donc on touche, on va vraiment tranquillement d'abord. Force au niveau des hanches et après on va chercher. Et donc là, par exemple, le fait, il faut bien lancer la jambe qui est extérieure, il faut bien pousser et après, on va faire ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, ce qui est important, c'est vraiment garder cette bonne mobilité de bassin. Donc même s'il est serré, il faut toujours qu'on puisse quand même bouger. Après là, je fais l'espace et après là, je peux aller chercher. D'accord ? Donc comme je vous dis, on part comme ça, on contrôle les mains ici, encore une fois, il ne faut pas forcer, hein. C'est juste travailler la mobilité, et hop, si je vais à gauche, je lance ma jambe gauche, et en même temps je lève mon bassin, je lance la jambe gauche, et même si je n'y arrive pas, je boucle, je m'aide avec cette jambe, et après au fur et à mesure, l'autre est entraîné. Ça c'est travailler les abdos, c'est bien, la plage, l'été arrive. Ils ont voulu mettre en place des nouvelles règles pour éviter justement que ça soit plus un combat statique et trop stratégique sur les mains. Donc voilà, alors la première chose, c'est que tout ce qui attaque dans les jambes, c'est fini. Maintenant, tout ce qui est saisi du pantalon, saisi en dessous de la ceinture, c'est en dessous de Kumake. Que ce soit en attaque ou en défense, c'est en dessous de Kumake. C'est-à-dire l'adversaire sur Uchimata, ça, en dessous de Kumake. Même en défense. Hein. C'est-à-dire que s'il est rentré, il est rentré en dessous de là, et je fais juste ça en dessous de Kumake, directement. Si l'adversaire lance, et je mets juste là pour bloquer, en dessous de Kumake. Donc ça, c'est déjà
Première grande difficulté. Deuxième grande difficulté, plus le droit de faire l'achat demain. Là, ça nous prend, ça, fini. C'est Shido. Ah, c'est pas, c'est vrai. D'accord. Alors, ça peut aller là aussi. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit d'utiliser deux mains pour faire lâcher la main de l'adversaire. Par contre, si on est en revers, on fait lâcher comme ça. Ça, c'est pas Shido. Mais par contre, dès qu'il y a deux mains au niveau de la main de l'adversaire, on fait lâcher Shido. Dès qu'on est en croisé, il faut attaquer dans la seconde. Si on attaque, si je fais croisé, j'attaque, il n'y a pas Shido. Si je fais croisé, j'attends deux mains, là, j'attaque Shido. Ça doit être vraiment directement. Idem pour main à la ceinture. Si je vais chercher la ceinture, ça doit attaquer tout de suite. Shido. Alors pour l'information, les Shido, là avant, le premier Shido était gratuit. Maintenant, les trois premiers Shido sont gratuits. C'est-à-dire que le premier Shido qui valait avant Coca, gratuit. Le deuxième Shido qui valait du Coca, gratuit. Le troisième Shido, gratuit. Et au niveau du quatrième Shido, là par contre, c'est un Tsukumake. Et ça marque. C'est-à-dire qu'au tableau, il peut y avoir deux Shido et un Yuko. Enfin, trois Shido. Et un Yuko, ben c'est celui qui a le Yuko qui gagne. Par contre, au terme du temps réglementaire, s'il y a 0-0, mais il y en a un qui a pris un Shido, ben c'est l'avantage. Donc c'est lui qui gagne. Donc après aussi, ils ont mis en place le fait que les moulinettes tombent plus vite. C'est-à-dire que si on voit que l'adversaire n'attaque pas, moulinette directe. Donc les pénalités, d'une certaine manière, normalement, compensent le fait qu'il faut faire vraiment chuter pour avoir des points. Et aussi également, golden score, normalement, c'est plus de limite de temps. Normalement, c'est 3 minutes, donc il n'y a plus de limite de temps. Par contre, premier avantage, chute ou Shido, vainqueur l'adversaire.